Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je voulais tout d'abord vous remercier parce que dans la dernière vidéo, j'ai lu tous vos commentaires, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ça compte énormément pour moi votre avis et vous étiez tous du même avis que moi. Et je suis vraiment super content, j'appréhendais vraiment beaucoup de ce que vous allez dire. On va pouvoir continuer tout ça ensemble comme on le fait depuis le début les frérots. Aussi dans pas mal de commentaires, vous étiez nombreux à me dire que quoi que je fasse, fallait que je le fasse parce que ça me plaît et que vous serez quand même là à me soutenir. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer les vidéos parce que c'est pas juste je fais mes vidéos, je vous partage ce que je kiffe. Parce que oui, certes, je vous partage ce que je kiffe. Mais il y a vraiment un retour, on communique vraiment ensemble. Si on se voit pas en vrai ou quoi que ce soit, même si j'ai déjà pu en rencontrer certains d'entre vous, et franchement c'était le top de ouf à chaque fois. Et voilà, on avance quand même ensemble et ça, ça me fait vraiment trop plaisir. C'est franchement, il y a vraiment pas mieux. Donc voilà les frérots, maintenant on a du taf. Vu que maintenant il faut démonter tout ce qu'il y a dans la E30 pour le passer sur la E36. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo là. On va démonter toute la E30. On va la mettre quasiment à nu, comme la E30 de Justin était il y a quelques mois encore. On va la mettre sur 4 chandelles et ça va être parti pour le démontage complet. Bien évidemment, je vais démonter mon intérieur pour récupérer les baquets, peut-être le volant, je ne sais pas encore vu que j'ai déjà un tulipé dans la E36, le short shifter, le frein à main, je vais en acheter un autre, mais il est du ride, je vais les récupérer en attendant. Les manos aussi, je vais les récupérer parce que sur la E30, j'ai décidé de mettre autre chose à la place qui va être aussi pas mal. Je vais démonter tout le train à l'avant parce que mon kit d'angle, je vais le passer sur la E36. J'aurai juste des cales de braquage à acheter. Ce qui est décombiné, je vais laisser les D2 sur la E30 normalement parce que j'ai pas ce qu'il faut pour les passer sur la E36. Mais sur la E36, j'ai décombiné pour l'instant bas de gamme, premier prix. On verra ce que ça dit avec le 325 et tout. Et si vraiment c'est éclaté, j'achèterai d'autres combinés. De toute façon, là, les frérots, on n'en est pas encore là. Là, on a un bon petit démontage à faire. Un petit peu de taf. À la même occasion, une fois que tout sera démonté, je pourrai vraiment, du coup, dans cette vidéo-là, vous montrer l'étendue de la rouille. Une fois qu'elle sera posée sur les 4 chandelles, elle restera un petit moment comme ça parce que d'abord, la priorité, c'est d'installer tout sur la E36. Il n'y a que des bonnes vidéos qui vont arriver. Je suis vraiment super content de passer sur la E36 pour le drift. C'est vraiment le meilleur choix que je pouvais faire. Et ce qui me fait tout autant plaisir, c'est de redémonter ma E30 pour refaire toute la rouille et tout. Après, elle va être vraiment super clean. Ça me fait un petit peu chier parce qu'en soi, je vais de nouveau plus rouler avec pendant un petit moment. I want to. Check me out, like, hey. Every time I look out, I'm on my lookout. Cause niggas tripping, no, I ain't hoping. No sense in voting for politicians. All of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking without no walking. Can't help my vision when I step out and put my neck out. They try to play me so I don't go out without my blowout. Brought that 380, all of my brothers pray for their mothers. Cause I can't tame them, got no answer. Can't kill their cancer, how can you blame them? I was hoping I could be open with all my feelings, but not fuck it. I take that bucket without no ceilings. I've been praying, but I ain't saying that I ain't stressing. I ain't moping, cause I'm just hoping I learned my lesson. I need G's for all my G's, so could you please try? Off your knees and on your P's, don't let your dreams die. I plant my seed to fill your need, to get your brain food. If you like me, the shit you see, it give you strange moods. So I'm just praying for answers. I know they hiding the truth from us. Pray for protection, I know they plotting on newcomers. Right through the city, my reefer reeking, my speaker speaking. My conscience stressing, but I be knowing that he be tweaking. Say I was thinking this weekend, we get to Lincoln, Brother, some of that good in the wood and we fought to Lincoln, She understanding my language, I think she speaking well. She eased the pain on my brain, it's causing my people hell. And since you looking, I'm looking, maybe we find a way to put your heart to the surface and put your mind away. They dropped us here on a dying planet without permission. No pots of pissing and trying to offer you propositions. What about my struggle? Be funny, they call it entertaining. Niggas got them snakes and they huddle, watch who you entertaining. All about my freedom, so I'ma need them to come correct it. Thinking I'm your enemy, all your energy misdirected. I shed a tear for my people, I struggle to be connected. I got that call from my cousin, I'm glad we reconnected. Why they always hating on moves we making and trying to slow them? Wish I could give you that reason, but I don't even know.
là, la E30 est quasiment toute démontée. En tout cas, j'ai accès à tout ce que je voulais voir. On va faire un tour ensemble de tous les endroits où il y a de la rouille. Après, bien évidemment, vu que je compte en fait faire comme on l'a fait avec la voiture de Justin, c'est-à-dire prendre ma voiture et la basculer sur le côté du mur pour pouvoir vraiment déblaxonner tout le dessous de la voiture et ensuite pour pouvoir vraiment reblaxonner comme on a fait sur celle de Justin, parce que celle de Justin avec cette technique là franchement c'est vraiment le top du top, parce que quand tu as le pistolet et le compresseur tu peux vraiment accéder dans tous les endroits, vu que la voiture elle est de côté, t'es debout, t'accèdes vraiment partout. Chez Justin c'est vraiment nickel, donc on va faire pareil avec la mienne. Il me reste encore à démonter les combinés, les moyeux, la crémaillère. De toute façon il faut que je la refasse parce qu'elle fuit comme jamais. Ensuite il restera le train arrière à tomber. Donc ça c'est vraiment rien de compliqué, on le fera aussi dans une prochaine vidéo. Déjà on a le bac à batterie qui est rouillé, il a quand même déjà bien pris tarif. Je vais pas me casser le crâne, je vais couper juste ça ici, vous voyez, enfin couper un petit peu plus loin parce qu'il faut vraiment couper toute la rouille, sinon ça revient à chaque fois. Après je pense pas que je rachèterai quelque chose d'origine ou quoi, ou je me ferai chier à refaire les plis. Je pense que voilà, je ressoudrai juste tout simplement un rectangle, je me ferai pas chier à refaire le rebord si j'arrive à le faire sans. Je garderai un petit peu partout, on mettra des petits coups de tournevis à tous les autres endroits où c'est un petit peu rouillé pour voir si on traverse ou non. La baie moteur, je vais déjà bien la nettoyer une première fois dans une prochaine vidéo, mais comme vous pouvez voir c'est un petit peu mangé en surface bien évidemment, mais à pas mal d'endroits. Donc elle est vraiment piquée. J'espère que les points de rouille qu'il y a, on va réussir à les enlever, pas devoir carrément découper toute la face à l'avant. Le tablier je l'ai pas encore enlevé, je voulais le faire, j'ai pas eu le temps. Donc on le fera aussi dans une prochaine vidéo quand on attaquera tout découper sur l'E30, parce que ça va aller quand même assez vite. Là la voiture, tout ce que je voulais démonter dessus est démonté. D'abord bien évidemment on va s'occuper de l'E36, parce que faut la préparer pour pouvoir rouler à début de l'année prochaine et toute l'année prochaine. Donc dès que ça a un roulera, on aura installé tout ce qu'on a installé. D'ailleurs je vais vous en parler juste après. On pourra directement attaquer celle-là à fond les ballons. Comme ça au moins ça va pas traîner. On va essayer de faire ça assez rapidement, on va pas faire ça sur un an. Je pense que j'aimerais bien que l'été prochain roule. Après il y a beaucoup de taf à faire, mais je pense que vraiment en s'y mettant à fond, il y a moyen de faire ça assez rapidement. Bien sûr, j'ai pas envie de le faire rapidement et que ça soit dégueulasse. On va faire ça propre, comme il faut. Mais pas perdre de temps et rouler le plus vite possible avec. Sachant aussi que j'avais tiré mes ailes et que de toute façon, elles étaient pourries en dessous et tout. Et mettre des nouvelles ailes. Donc j'en ai déjà une là-bas, faut que j'en commande une deuxième. J'avais acheté pas cher, c'est une de Méca Technique. Pas mal de gens disaient que c'était pas ouf, que c'était, vu que c'était de l'adaptable, ça s'adaptait justement pas bien et tout. J'en ai acheté une qui était près de chez moi, vraiment pas cher. Donc du coup je me suis dit tu sais quoi, c'est une de mes cas techniques, je vais la prendre, elle est toute neuve. Et je vais l'essayer sur ma E30, voir ce que ça dit. Ça fait plus de 6 mois qu'elle est là et je l'avais mise en lieu et place. Franchement j'ai pas vu de différence par rapport à l'origine. Je vois pas où est-ce que ça s'adapterait mal. Moi c'est vraiment mis en lieu et place comme il fallait, avec toutes les vis. Donc bon, je vais racheter une deuxième. Comme ça on va pouvoir faire les deux côtés. Vu qu'on avait tapé en drift par choc avant, par choc arrière, j'en ai déjà des nouveaux qui attendent. Le bas volet, on va le changer aussi. Si déjà, je vais passer sur un de TD avec les deux ouvertures en dessous, je trouve ça un petit peu plus stylé. Donc voilà, bref les frérots, on va continuer notre petit tour au niveau de la rouille. Donc bien évidemment, on a notre trou qui est là-haut, qu'il va falloir qu'on traite aussi. Donc pareil, celui-là, si c'est pas bouffé jusqu'à tout là-haut, ça va pas être trop la misère à faire. Le seul problème, je vais sûrement devoir enlever mon tableau de bord pour éviter de tout cramer en fait à l'intérieur de la voiture. Ensuite, ce qui est cool, c'est que vu que l'année dernière, j'ai fait mes planchers, du coup, c'est une bonne chose. J'ai pas à les refaire cette année-là. Je vais déblaxonner toute la caisse. Je déblaxonnerai de nouveau les planchers. On les reblaxonnera encore mieux. Ensuite, chose que j'avais pas faite, que je vais faire du coup maintenant, c'est que quand on avait fini de souder, on avait juste peint et tout. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reponcer encore une fois et je vais rajouter du mastic comme ils avaient mis à l'origine sur les soudures. Donc moi, je vais refaire pareil des deux côtés des planchers. Là, comme vous pouvez voir, le trou, il est là-bas où il y a le scotch. J'en avais remis parce que l'autre, il tenait pas. Mais bon, au final, là, on va pouvoir l'enlever. D'ailleurs, je vais le faire directement. Voilà, donc bon, vous voyez que c'est vraiment bien mangé de ouf. Donc à mon avis, je pense que enlever le tableau de bord, j'aurais vraiment pas le choix. Ou alors, avec de la chance, j'enlève juste ça. Je sais pas si ça, ça fait partie du tableau de bord, aussi la partie derrière. Donc je sais pas, de toute façon, ça, il y a moyen de l'enlever comme ça et de le descendre. On verra de toute façon au moment venu, mais bon, l'accès, il est chiant. Après, ce qui est cool, c'est que la pièce à refaire, il n'y a pas d'arrondi de ouf ou quoi. C'est plat, ça sera assez facile à faire. Je voulais l'enlever, je l'ai pas enlevé, mais là derrière, il n'y avait pas de la rouille, sauf là-bas. Ça, c'est quelque chose que je vous avais jamais parlé. Mais du coup, vous allez voir dans cette vidéo.
C'est un peu la misère. Donc bon, quoi qu'il arrive, de ce côté-là, pas de rouille. Là derrière, on n'a pas de rouille. Pour ceux qui demandent, ça c'est moi, je l'avais fait avec Justin. Vu que j'avais enlevé ma banquette arrière, je voulais pas que ça soit tout vide et qu'on voit tout comme ça. Je trouvais pas ça beau. Donc en fait, on a juste récupéré de la moquette, on l'a redécoupé et mis en lieu et place pour que ça fasse pas vide à 100%. Donc bon, là derrière, on a vraiment rien. Tchac, vous voyez, le gros endroit qui me fait assez peur, c'est là-bas. Donc je vais faire le tour, comme ça je pourrai mieux vous montrer. Donc, au passage, comme ça au moins on fera pas le tour pour rien. J'ai de la rouille ici. Comme vous pouvez voir ici, là, ça a commencé à bien manger. Un des endroits qui m'a fait aussi décider de refaire la rouille maintenant, c'est ces endroits-là. Ça rouillait ici, l'autre côté il est vraiment pire, donc je vais vous montrer ça. J'ai pas envie de traîner sur ça parce que c'est quand même les longerons de la voiture et ça supporte quand même les ressorts, c'est pas rien. Ensuite, on a le support de la ligne d'échappement, c'est aussi le longeron de la caisse, donc ça a déjà pas mal rouillé. Ensuite, bien évidemment, comme toute 30 qui se respecte, elle est bouffée un petit peu ici. Après, bon les gars, vous m'excuserez, elle est vraiment sale de ouf. Depuis que je suis rentré de mon dernier événement de drift et je l'ai pas lavé. On a ce point-là que j'avais aussi traité une fois. Après, traité, c'était un grand mot. Là, on va faire vraiment bien. Ensuite, j'ai mes ailes arrière qui commencent à piquer. Ça, c'est juste en surface parce que la peinture a craquelé quand j'avais passé le roller fender. Un des bons points du coffre, c'est que le bac de roue de secours, il est pas mangé, mais en soi, s'il était mangé, j'en avais un peu rien à faire parce qu'au pire, je le découpe, je shoot une tôle par-dessus et basta, c'est vraiment pas dérangeant. Mais bon, vu qu'il est pas mangé, on va pas se faire chier à l'enlever. Là, en bas, c'est très très sale, mais il n'y a pas énormément de rouille. On a juste pas mal de 30 juste là en bas. Il y a de la rouille. Ce côté là qui a rien du tout. Donc ça c'est vraiment aussi un point positif. Pour ce qui est du reste du coffre, il n'y a rien mis à part là-bas derrière. Là c'est le même point que je vous parlais juste avant qu'on va regarder en tout dernier je pense. Ensuite, pour ceux qui regardent la chaîne depuis le début où j'ai acheté la E30, quelques jours après j'ai découvert que derrière le joint du coffre a été rouillé. Donc ça fait 4 ans que je le sais, que j'ai pas fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que vraiment il est temps de le faire. C'est vraiment super mangé ici, c'est abusé. Pas un endroit super gras, c'est pas comme si c'était un longeron ou quoi que ce soit. C'est quand même vraiment vraiment mangé et vraiment le temps de le faire. J'ai découvert aussi que par la même occasion ça a commencé à piquer ici aussi. Et ici aussi. Tu vois, là, on découvre de nouvelles petites choses. Je me dis, la voiture, elle n'est pas déblaxonnée encore. On n'a pas fini de tout découvrir. Ensuite, de ce côté-là, le bas de la jupe, il a rien du tout. Comme pas mal de E30, elle est piquée aussi à cet endroit-là. C'est le côté le plus critique, on va dire. Parce qu'on a plusieurs points au même endroit à peu près, donc c'est ça qui pue un peu du cul. Alors pour ce côté là on a comme l'autre côté, vous voyez le longeron ici qui commence à piquer, donc ici il est déjà un petit peu plus attaqué que l'autre côté. Là au dessus ça a aussi pris ça, et que ça on peut le racheter, donc de toute façon je pense que j'aurais pas trop le choix d'en racheter un. Je crois que là dedans c'est juste pour les vapeurs carburant. Vous en fait là dedans c'est un réservoir pour ça. Normalement, si je raconte pas de conneries, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Bien bouffé, là on voit carrément tous les tuyaux tout simplement. Que moi j'aime vraiment pas du tout, c'est qu'on est quand même piqué à cet endroit là, on est piqué là, on est piqué là. Et à l'intérieur, il passe dans ce petit renfort là, cette petite barre. Ben, cette barre elle est aussi pourrie de chez pourrie. Par le coffre c'est vraiment beaucoup plus mangé. Déjà vous avez un premier aperçu, mais toute cette barre elle est vraiment vraiment mangée, que ça soit même là en dessous. Après ça s'arrête vraiment ici. J'ai vu pas mal de 30 qui avaient le même problème que moi. C'est pour ça que d'ailleurs sur eBay ça se trouve aussi. Ils vendent aussi cette pièce là. Et par le coffre on voit vraiment beaucoup mieux. Donc là c'est vraiment hard de ouf les gars, c'est waouh. Ça c'est vraiment le point je pense le plus chaud, qu'il va falloir bien étudier, voir comment le faire et tout. J'aurai le nouveau tuyau à mettre en place, ce sera plus simple à visualiser le truc. Voilà en gros les frérots ce qu'il y a comme rouille sur la E30, je pense que c'est déjà pas mal. Après aussi pour ce qui est de ça, j'avais récupéré sur une E30 toute cette partie là, donc de ici jusqu'à là-bas, donc il y aura juste à couper et à ressouder la partie. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, il me restera juste à faire tomber les deux trains roulants comme il faut. J'ai démonté aussi mes triangles parce que du coup le kit d'angle que j'ai acheté pour la E30, on va pouvoir le mettre sur la E36. La seule chose que j'ai besoin d'acheter c'est les cales de braquage, parce que c'est plus les mêmes. Les cales de E30, elles vont pas sur la E36. J'aurais préféré passer sur la E36 sur des moyeux ressoudés. Mais vu que je viens d'acheter celui-là pour la E30 et qui peut se monter sur la E36 juste en achetant des cales, j'ai pas envie de redépenser je sais pas combien. Dans une prochaine vidéo, on installera le kit d'angle sur la E36. On installera aussi un frein à main hydraulique. Je l'installerai avant de swapper, même si en soi, je pourrais le faire quand le moteur est dehors parce que tout sera beaucoup plus accessible. Je préfère le faire tant qu'il y a un moteur encore dans la E36 tournant, parce que là, la caisse, elle est roulante. Donc en soi, je peux aller tester mon frein à main.
S'il y a un problème, je peux le régler directement dessus. Comme ça, une fois qu'il marche, il marche. On n'aura plus besoin de revenir dessus. Pareil pour le kit d'angle, on l'installera. Il ira directement tester, bien sûr, dans les limites de ce qu'on pourra faire. Une fois qu'il sera installé, il sera installé définitivement. On n'aura pas besoin de revenir sur ça. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que j'aurai installé tout mon intérieur, tout comme je veux, et surtout que le M50 soit prêt, et bien à ce moment-là, on pourra swapper et tout mettre dans la E36. Et là, s'il y a des problèmes avec le M50, on pourra régler ça à ce moment-là. Et dans cette vidéo, vous avez pu voir le vrai état de la E30. Elle est vraiment pas mal rouillée, c'est une chips le bordel. C'est vraiment temps de régler tout ça pour qu'après, elle soit pépite. Ça sera tout pour cette vidéo, les frérots. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette année, on a passé les 20 000 abonnés. Incroyable. J'espère que l'année prochaine on continuera dans cette direction là et qu'on sera encore plus d'ici la fin de l'année prochaine. Sur ce les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.